De la friperie en passant par l'artisanat à la gastronomie gabonaise, tout est au rendez-vous ce lundi 17 avril, marquant la journée nationale de la femme gabonaise. Plus d'une centaine de stands ont été mis à disposition de ces femmes afin qu'elles puissent exposer leur savoir-faire dans divers domaines d'activité. Bon, pour réaliser tout cela, nous avons des frères qui partent en brousse aller chercher le raffien. Première matière, quand ils amènent, ils tissent, on fait sécher. Après avoir fait sécher, maintenant nous, on transforme, comme vous le voyez. Je fais de la production locale. Je couds des nappes de table, des pagnes africains. J'habille aussi les cuisines, la lingerie de maison. Venues de loin, les femmes des associations de la commune de Komo-Mwanda se joignent à la célébration de cet événement aux couleurs du Gabon. Nous faisons dans l'agroalimentaire, l'agroforesterie. Ici, nous avons spécialement l'agroalimentaire. Donc, vous avez le piment séché, donc olica, landoc. Vous avez les farines de sardines, farine de crevettes. Vous avez l'huile d'amande. Vous avez les œufs de paille, les œufs de poule, le piment écrasé, assaisonné, les fruits rouges, l'aubergine, les tubercules, la banane, les mandarines. Cette 25e édition de la Journée de la femme gabonaise a été une occasion pour les femmes de la province de l'Estuaia de mettre en avant leurs talents en matière artisanale, culinaire, littéraire et bien d'autres.